Bonjour les gars, bonjour les filles, bonsoir. Bienvenue dans ce Facebook Live de Sandy Boston, la générale des Amazones de la Révolution camerounaise. Bonsoir. Comme vous le savez, lorsque je mets cette tenue d'apparat, alors il y a péril en la demeure. Oui, ce soir nous allons parler de sujets hypersensibles. Et ce soir, nous allons encore une fois donner le point de vue de la basse sur ces sujets, on ne peut plus sensible. Installez-vous, ramenez tout le monde, partageons le live pour que le plus grand nombre soit touché. Je tiens ici à saluer ceux qui sont déjà connectés, Marie Temgwa, Michael Tebs,
Pour la Chocos, c'est Ghislain Siakam, pour ce que j'ai vu. Dipita Charlie, ainsi de suite. Au fur et à mesure que vous vous connectez, je vous ferai un coucou si l'occasion se présente. Kareka d'amour, André et Maleu, bonsoir. Installez-vous, partageons le live parce que ce soir, vous savez, lorsque je mets cet uniforme, ça va cogner dur. Ça va cogner très, 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 très dur. Comme vous l'avez vu à l'annonce de ce live, principalement, nous allons aborder deux sujets. Le premier étant, bien sûr, la tentative d'enlèvement du membre de la BAS à l'ambassade du Cameroun à Bruxelles. Oui, nous allons aborder ce sujet. Nous allons maintenant vous dire ce qui s'est exactement passé. Parce que vous avez vu ce communiqué de l'interdiaspora qui faisait état de ce que une membre de la résistance en diaspora a été agressé à l'ambassade du Cameroun à Bruxelles. Mais ce communiqué ne vous a pas donné les tenants et les aboutissants de ces événements. Donc ce soir, nous allons revenir là-dessus. Bien sûr, avec le consentement de la victime. Et croyez-moi, les actions que nous allons entreprendre pour retalier à cet acte hautement répréhensible seront à la hauteur de l'affront. Donc, et entre autres, nous allons aussi parler de cette fameuse photo du président élu à Etoudi qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, qui fait parler ses détracteurs et qui fait sortir toute la sardine au créneau. Aujourd'hui, nous allons mettre fin à la récréation. Oui, aujourd'hui, je revêtis mon apparat de Nkoule Kamto, le tam-tam de Kamto, et je siffle officiellement la fin de la récréation sur ces errements sardiniques concernant notre président élu. Donc, en gros, voilà les deux sujets que nous allons aborder ce soir. Mais avant d'aborder ce sujet, je tiens à faire un petit éclaircissement. Le temps pour vous de partager, je salue ici Mathieu Dean, je salue Charles Noël. 40 ans plus tard, Hilaire Nyochebe, Yolande Samira, je vous salue. Adolphe Bia, bonsoir. Paula Chocos, bien sûr. Permettez-moi aussi hein, de mettre le live dans nos groupes de travail parce que beaucoup de combattants ne sont pas au courant du fait que je suis en live. Donc, c'est en mettant dans les groupes de travail qu'ils seront alertés. Donc, un instant, le temps pour moi de faire cela. Le temps pour moi de faire cela, de le mettre dans les groupes de travail. Merci, le temps pour vous aussi hein, de partager le live. Hein. Voilà, donc c'est fait, je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, je vais donc commencer très brièvement par une petite brève avant d'entamer les deux sujets principaux de ce live. Bas New Look, je te salue, villageois du Quat officiel, bonsoir, Kamek Odia La Paix, bonsoir, bonsoir à tous les combattants, bonsoir à ceux-là avec qui nous sommes sur le terrain, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, avec qui nous prenons des coups et que nous prenons des risques, ceux-là sur qui nos vies reposent lorsque nous sommes sur le terrain et qui nous font confiance aussi lorsque nous sommes tous ensemble sur le terrain, nous sommes aujourd'hui une famille parce que nous nous faisons entièrement confiance. Bonsoir, Ali Mao, Chao Mao. Mao, Ali, Chao, Mao, je crois, c'est ça. Bonsoir, installez-vous. Donc, la première petite brève avant d'entamer le sujet principal, l'un des sujets principaux de ce live, c'est en ce qui concerne un pseudo-combattant appelé M. Cyril Djotsa. Alors, j'aimerais ici faire savoir à tous que j'ai pris connaissance du dernier poste de M. Cyril Djotsa qui demandait de fumer le calumet de la paix
avec évidemment moi-même et villageoise du Kouat, soi-disant qu'il nous avait qu'il avait vu mon poste nauséabond et le live de villageoise du Kouat en ce qui le concernait. Alors je vais lui répondre très brièvement parce que ça n'en vaut d'ailleurs pas la peine. Je lui dirai: Monsieur Siri Diotsa, il n'y a pas de calumet de paix à fumer entre nous. Je ne suis pas adepte des fumettes. Tu le sais peut-être, je suis adepte d'autres choses, de beaucoup d'autres choses dont j'épargnerai le public aujourd'hui. D'ailleurs, tu as eu le plaisir de partager quelques photos de moi dans les groupes. Je te dis aujourd'hui que je suis au courant de cela et que la réaction viendra à point nommé. Donc, je ne suis pas adepte des fumettes, pour commencer. Donc, je ne fumerai aucun calumet de paix avec toi. Simplement parce que tu n'es pas du même bord, tu n'es plus du même bord que moi. Aujourd'hui, tu as avoué dans un groupe restreint et dont la capture d'écran nous est arrivée que tu roulais pour M. Franck Biya et tu l'appelais d'ailleurs votre futur président. Eh bien, sache que si M. Franck Biya est ton futur président, le mien s'appelle Son Excellence le président élu Maurice Kamto. Et à partir de là, on n'a plus rien à se dire, on n'a aucun calumet de la paix à fumer ensemble. Tu seras traité à nos yeux au même titre que tous les adeptes de M. Biya le père et de M. Biya le fils, c'est-à-dire en tant que sardinard. Donc, tu sais ce que nous faisons aux sardinards. Donc, aucun calumet de paix à fumer avec toi parce qu'on n'est plus du même bord. Si jamais nous avions été, et ça c'est une grosse condition, si jamais nous avions été du même bord, nous ne le sommes plus. Aujourd'hui, tu as avoué à la face du monde que tu roulais pour Franck Biya. Donc, bye bye, ciao, arrivederci, rien à foutre avec les gens de l'autre bord. Ceci étant dit, je continue de saluer ceux qui se connectent. Annie Choco, bonsoir ma lionne. Je salue ici Liliane Bakop, bonsoir maman, bonsoir à tous ceux qui se connectent. Nous allons continuer. Le prochain sujet que je vais aborder maintenant, et qui est un sujet très très sérieux d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'arbore aujourd'hui ma tenue d'apparat, ma tenue de guerre. Il s'agit de la tentative d'enlèvement d'une membre de la BAS à l'ambassade du Cameroun à Bruxelles. Vous avez sûrement vu des posts qui allaient dans ce sens et vous avez vu la photo de cette brave combattante qui s'appelle Brigel Nana. Et vous avez vu des photos de son pied qui était plein d'hématomes et qui était complètement écrabouillé dans la toile. Je n'ai pas posté ces photos et le communiqué qui a suivi simplement parce que mes collègues ont fait un excellent boulot en termes d'alerter le peuple de la résistance quant à l'agression sauvage et brutale et même la tentative de kidnapping qu'a subi Dame Brigel Nana à l'ambassade du Cameroun à Bruxelles. Alors, Dame Brigel Nana, comme tout autre citoyen camerounais, je salue ici Raphaël Ndialo Kameni qui se connecte, Amel Wedje, je vous salue, Ginette Yossa, bonsoir, Enoch Martial Penga, je vous salue. Dame Brigel Nana, comme tout citoyen camerounais qui a le droit au service public de la République du Cameroun, s'est présentée à l'ambassade du Cameroun parce qu'elle avait des soucis d'ordre administratif. Alors, elle s'en va à l'ambassade du Cameroun en tant que citoyenne. À sa grande surprise, pendant qu'elle attend d'être accueillie et servie, comme tous les autres citoyens camerounais qui sont présents à cette ambassade, elle aperçoit des signes qui font alerte à la sécurité de fermer la porte et de l'empêcher de sortir. Heureusement que cette brave combattante qui a l'alerte comme une Amazone a vu ces mouvements et elle s'est précipitée à la porte afin de ne pas être bloquée, enfermée à l'intérieur de l'ambassade. Alors, pendant qu'elle se débat pour sortir, la sécurité de l'ambassade ferme la porte qui fait au moins 100 kilos en acier massif et attrape ainsi son pied
dans l'ouvrure de la porte et lui brise le pied. Vous avez vu les photos des hématomes et des contorsions qu'elle a subies. Je vais vous rappeler ce qui vaut à cette brave femme d'être ainsi prise presque en otage dans l'ambassade de son pays. Les faits que nous dénonçons ce soir sont très, très, très graves. Et croyez-moi, il y aura une suite à cela. Donc, je vais vous faire suivre ce qui a causé, ce qui est à l'origine de la tentative de kidnapping de Brigelle Nana à l'ambassade du Cameroun à Bruxelles. Et j'espère que tout le monde comprend la gravité de cet acte. Une ambassade essaye de kidnapper un citoyen en plein jour. Je répète, une ambassade essaye de kidnapper une citoyenne en plein jour. Je prie ici à tous ceux qui sont connectés de taguer les services de sécurité belges sur ce live, de taguer les associations des droits de l'homme, à qui d'ailleurs nous avons fait ampliation de notre courrier. Parce que ce qui s'est passé au sein de l'ambassade du Cameroun à Bruxelles était extrêmement grave. Donc, je vais vous montrer ce qui a causé l'agression et la tentative d'enlèvement, de kidnapping de Brigelle Nana à l'ambassade du Cameroun à Bruxelles. Nous étions allés mener une action. Nous sommes en, je crois, janvier 2022. Nous allons mener une action à l'ambassade de Bruxelles pour réclamer justement la libération de Itembe Bonda, le jeune qui avait été condamné à la plantation de Djombe Penja, qui avait été condamné pour avoir simplement dit que Paul Biya était un voleur. Simplement pour avoir dit que il n'arrivait pas à vivre de sa paye dans la plantation de Djombe Penja et d'avoir traité le gouvernement de voleur, ce jeune homme a été condamné. Et nous sommes allés manifester à l'ambassade de Bruxelles. Nous y sommes allés pacifiquement, je répète. Et vous allez suivre la vidéo où nous répétons à plusieurs reprises, ne cassez rien, ne cassez rien. Et nous avons entre nos mains les photos de Itembe Bonda et de ses deux camarades qui avaient été injustement arrêtés et condamnés pour avoir simplement dit que le gouvernement de M. Biya volait l'argent des Camerounais. Regardons ce qui s'est passé. Et je vais vous montrer Brigelle Nana dans cette action. Regardons. Un instant, je vais juste... Alors, je vais reprendre cette vidéo et je vais vous montrer où se situe Brigelle Nana. Brigelle Nana est la combattante qui était venue à cette action avec son bébé. Je répète, Brigelle Nana est la combattante qui était venue à cette action avec son bébé. Regardez bien la vidéo, vous allez voir une femme qui porte un bébé. Brigelle Nana est la combattante qui était venue à cette action avec son bébé. Elle est venue à l'action avec son bébé parce qu'elle n'avait personne pour lui garder le bébé pendant qu'elle venait à l'action. Donc, une femme qui porte un bébé ne peut pas casser, ne peut pas agresser qui que ce soit. Au contraire, lorsque nous sortons de cette action, l'enfant de Brigelle Nana a été interné dans un hôpital parce que la sécurité de l'ambassade a gazé ce bébé. Je répète,
Brigelle Nana, je vais repasser cette vidéo. Brigelle Nana était à cette action avec son bébé. Son bébé qui avait à peu près un an. Brigelle Nana était à cette action avec son bébé. Une femme qui porte un bébé ne peut ni agresser, ni casser, ni faire quoi que ce soit. Elle était juste présente à l'action comme tous les autres combattants. Et lorsque vous écoutez bien cette vidéo, vous entendez comment nous disons « ne cassez rien, ne cassez rien, libérez ». Je vais vous faire repasser la vidéo et vous allez revoir Brigelle Nana qui est présente à l'action avec son bébé en main. Ayant son bébé en main, Brigelle Nana n'a pas participé à l'action. Elle peut d'ailleurs, nous n'avons ni cassé, ni blessé, ni agressé qui que ce soit lors de cette action. Nous sommes partis avec les photos des prévenus afin de demander à l'ambassade la libération de ces prévenus de la plantation de Djombé Pendja. La police belge est venue nous retrouver dans les lieux. Je répète, la police belge est venue nous retrouver dans les lieux, à l'intérieur de l'ambassade. La police belge nous a mis en garde à vue. Quelques-uns d'entre nous. Et nous avons été tous libérés sans aucune charge. Comme pour dire qu'il n'y a eu ni casse, ni violence, ni agression de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Je répète, l'action menée ce jour à l'ambassade du Cameroun à Bruxelles était pour réclamer la libération de Bonda Itembe de la plantation de Djombé Pendja. Pendant cette action, Brigelle Nana est venue avec son bébé et elle le portait. Donc, en aucun cas, elle n'aurait pu agresser, casser ou faire quoi que ce soit. De deux, tout le groupe qui était lors de cette action, vous allez les voir bien sûr, nous ne faisions que répéter, ne cassez rien, libérez. De trois, la police belge qui est venue ce jour nous retrouver à l'intérieur de l'ambassade, nous a arrêtés en détention préventive, nous a mis en garde à vue, a examiné tous les faits et tous les lieux, n'a constaté aucune casse, aucune agression. Et nous avons tous été libérés sans aucune charge. Je vous fais revoir l'action et je vais faire une pause sur Brigelle Nana qui porte son bébé lors de cette action. On ne casse rien. On ne casse rien. Voilà. Voilà. Vous avez vu Brigelle Nana. Attendez que je revienne là-dessus. Voici Brigelle Nana. Un instant, je reprends. Voici Brigelle Nana. Je reprends, regardez bien. Libérez que mon Godaï t'aime. Partagez, partagez, partagez.
Voilà le bébé. Est-ce que vous avez vu le bébé? Vous avez vu un bébé étant porté. Donc, et par la suite, vous avez vu les posts qu'on avait fait dans la toile faisant état du bébé de Brigel Nana qui était hospitalisé pour avoir inhalé du gaz lacrymogène à l'intérieur de l'ambassade. La sécurité de l'ambassade satrapique génocidaire de M. Biya a gazé un bébé de 1 an à l'intérieur de l'ambassade. Et cette brave dame a passé quelques jours à l'hôpital avec son bébé qui avait des problèmes respiratoires. Ils n'ont eu aucun sentiment, ils n'ont eu aucune hésitation, ils n'ont eu aucune retenue pour gazer un bébé de 1 an à l'intérieur de l'ambassade du Cameroun. Alors, cette brave femme qui venait de rejoindre la base il y a quelques mois, c'était la première ou la deuxième action, nous a rejoint il y a très peu de temps. Elle participe aux actions toujours avec son bébé parce qu'elle n'a personne pour garder son enfant. Elle s'en va à l'ambassade du Cameroun pour demander un service comme tout autre citoyen camerounais. Et on essaye de la kidnapper. Dieu seul sait ce que ces gens auraient fait à cette fille s'ils l'avaient kidnappée. S'ils avaient réussi à fermer la porte avec elle à l'intérieur. On sait que la police belge ne peut pas intervenir à l'intérieur d'une ambassade parce que c'est un territoire étranger. Sauf si l'ambassadeur donne l'ordre exprès à la police belge d'intervenir. Cette fille, si elle était coincée à l'intérieur de cette ambassade, on aurait pu la tuer. On aurait pu la renvoyer au Cameroun, incognito. On aurait pu lui faire tout et n'importe quoi. Parce que ces gens bénéficient de l'immunité diplomatique. Je répète, si la sardine, si les sardinats, si les employés de l'ambassade avaient réussi à bloquer Brigel Nana à l'intérieur de l'ambassade, ils auraient pu la tuer. Ils bénéficient de l'immunité diplomatique. Ils auraient pu la faire disparaître tout simplement. Ils auraient pu la faire disparaître. Nous savons, pour avoir été à l'intérieur de cette ambassade, qu'il y a un sous-sol dans cette ambassade. Ils auraient pu l'amener au sous-sol, là où il n'y a pas de caméra. Ils auraient pu l'amener. Nul ne sait ce qui aurait pu arriver à cette fille si elle avait été enfermée, comme ils ont essayé de le faire à l'intérieur de l'ambassade. D'ailleurs, lorsque la police belge arrive sur les lieux, ils lui disent qu'heureusement qu'elle est sortie, parce qu'eux, ils n'ont pas le pouvoir d'intervenir à l'intérieur de l'ambassade, c'est le territoire camerounais, sauf ordre exprès de l'ambassadeur. Donc, Brigel Nana a utilisé de son bon sens, de son esprit d'Amazon, pour se débattre comme une lionne et sortir des griffes de ces génocidaires. Pour sortir des griffes. On sait ce qui est arrivé aux combattants de l'Allemagne qui s'étaient retrouvés par mégarde au Cameroun. On sait ce qui arrive à tous les vrais combattants qui par malchance, se sont pris entre les mains de ces gens. Par malchance. Je vais vous faire écouter la version des faits de Brigel Nana. Écoutez très bien. Je vais vous faire écouter la version des faits de Brigel Nana. Je rappelle que cette Amazone vient de passer quelques jours d'hospitalisation suite à l'agression et à la tentative d'enlèvement dont elle a été victime. Elle a passé des jours à l'hôpital. Et après avoir suivi la version de Brigel Nana sur ce qui s'est passé ce jour à l'ambassade, nous allons vous dire ce que nous, la résistance, l'interdiaspora et la BAS allons faire
Parce que cet acte est un acte que nous allons, dont nous allons répondre de la plus vigoureuse des manières. Et je rassure mes compagnons de lutte, je rassure encore mes compagnons de lutte que la communication sera faite dans l'art de la chose. Je vous rassure, ne vous inquiétez pas. Allons écouter ce que Brigelle Nana nous dit de ce qui s'est passé ce jour à l'ambassade. Et je rappelle ici que cette fille est la victime. Elle est la victime d'une organisation gouvernementale. Cette fille qui était seule, non accompagnée, est la victime d'une agression et d'une tentative d'enlèvement de tout un gouvernement, de toute une organisation. Alors, monsieur Sami Tawal, vous allez être bloqué et chassé de ce live. C'est de ça qu'il est question. Allez vous faire voir ailleurs. Écoutons la version de Brigelle Nana. Et bien sûr, c'est avec son autorisation. Parce que c'est un sujet tellement délicat. Cette fille vit dans la peur. Elle est traumatisée. Elle ne dort pas. Elle fait des cauchemars. Elle serre son enfant dans les bras. Elle est psychologiquement traumatisée parce qu'elle a échappé à une mort potentielle. Elle a échappé à un kidnapping. Elle a échappé à la torture. Qui sait ce que ces gens auraient fait s'ils avaient réussi à saisir cette fille? L'auraient-ils violée? L'auraient-ils renvoyée manu militari au Cameroun? L'auraient-ils assassinée? Telles sont les interrogations que nous faisons en ce moment. Écoutons la version de la brave Brigelle Nana. Et je vous rassure que tous ces éléments vont être remis entre les mains de qui de droit. Bonjour, ma générale. Merci pour... Un instant. Je vous en prie. Je n'ai pas mon haut-parleur aujourd'hui, donc c'est un peu compliqué là. Voilà. Pour ton soutien. Oh là là, un instant. J'essaie de refaire cela. Hein. Pour ton soutien. Merci vraiment. Bon, je recommence et je fais cela de la meilleure des manières, si comme je peux. Bonjour, ma générale. Merci pour ton soutien. Merci vraiment. Ça me fait du bien de savoir que j'ai des gens qui tiennent à moi dans ce combat et dans cette vie aussi. Tu peux pas imaginer la peur que j'ai eue. En dehors même des douleurs, mais la peur que j'ai eue. J'ai dit, j'ai crié au secours là-bas de toutes mes forces. J'ai dit, j'ai crié parce que j'ai senti la mort. Quand ils ont dit, fermez la porte. Tu vois le militaire là, celui que quand on était parti, il était en tenue. Il y avait lui, il y avait un autre monsieur, je ne connais pas leur nom. Mais si les photos comme ça, je peux te dire, c'est celui-ci. Imaginez un militaire qui essaye de kidnapper une femme sans défense. Un militaire, c'est un homme physiquement entraîné. C'est un homme qui a été formé au combat, qui a été formé pour tuer. Un militaire qui essaye de kidnapper une femme sans défense. Je porte son béret. Je porte son béret. Et au lieu de m'attraper, moi, il va s'en prendre à une femme sans défense. Écoutons. Quand il a dit, quand il m'a vu décaler comme ça, là, il a dit, ne la laissez pas sortir, fermez la porte. Maman, je ne sais même pas comment j'ai fait pour... Tu vois les escaliers là, je ne sais même pas comment j'ai descendu les escaliers pour arriver près de la porte de sortie. Heureusement pour moi, le vigile qui était devant la porte, il voulait faire entrer quelqu'un. Donc, quand on a dit fermer, la personne voulait entrer, il fallait qu'il pousse la personne dehors pour fermer la porte. J'ai profité comme ça pour m'interposer. C'est où ils ont fermé mon pied avec la porte. C'est jeté sur moi là-bas, mais tiré, j'ai signé sur la porte là. Ils m'ont tiré fatigué, tiré, j'ai crié, tiré. Ils m'ont tiré, j'ai dit, je ne lâche pas. J'ai dit, mon pied, tout mon pied droit comme ça jusqu'à présent, maman, ça me fait mal. Parce qu'ils ont tiré ça. J'ai bloqué la porte, j'ai dit seulement que je préfère encore qu'on casse mon pied que de faire qu'on ferme la porte, on me tue là-bas dedans.
J'ai sacrifié mon pied comme ça là. Il me dit, c'est un monsieur qui était à l'intérieur là, qui descend, il voit comment ils sont sur moi. Il descend, il dit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Vous allez la tuer. Quand ils ont vu que ceux qui étaient dehors, parce que tu vois l'arrêt du crâne qui est dehors là, les gens qui étaient là se tournaient déjà pour, parce qu'ils entendaient crier quoi. Donc ils ont vu comme quoi on voyait déjà quand même une bonne partie de mon corps, même comme ma tête était encore à l'intérieur là, on voyait une bonne partie de, on voyait quand même une bonne partie de mon corps, on savait qu'il y a quelqu'un qu'on est en train de malmener devant la porte. C'est où ils m'ont lâché, maman, je suis sortie de là, ma paume de main, j'ai cru que ma paume de main était... Je vous explique ce qui se passe. Lorsque le militaire dit « Fermez la porte !» Brigitte Nana comprend que c'est elle qu'on est en train de piéger. Elle descend l'escalier en courant. Et pendant qu'on veut fermer la porte, il y a un homme qui veut sortir. Elle profite donc de ce que quelqu'un d'autre veut sortir pour mettre aussi son corps à travers la porte. Et ces gens-là bloquent la porte sur son pied. Ils bloquent la porte sur son pied, sa tête est à l'intérieur. Le reste de son corps est à l'extérieur. Et donc, les passants, les gens qui attendaient dehors, tout le monde a vu comment elle criait au secours, comment elle se débattait. Il y a eu des témoins qui ont vu comment une femme, la tête à l'intérieur, le corps à l'extérieur, bloquée par la porte, les gens de l'ambassade essaient de la tirer à l'intérieur. C'était une lutte qui s'est faite devant les gens en plein jour. Voilà ce qui s'est passé. Je continue. Elle était arrachée. J'ai cru que ma paume de main était arrachée. De toute façon, j'ai signé sur la porte avec ça. Ils m'ont tiré. Mes épaules, je suis là, je suis que sans soutien. Parce que je n'ai pas la force d'envoyer la main derrière comme ça pour mettre le soutien. Même quand je suis allée à l'hôpital, là, c'est la dame qui faisait la radio. C'est même elle qui m'a aidé à enlever mon, à déboutonner mon soutien. Maman, elle dit que je suis là comme ça. J'ai pensé seulement à votre champion qui était à l'école le jour-là. J'ai dit, si elle meurt ici, là, mon enfant... J'ai fait comment? Mais Dieu est fort. Dieu est fort. Donc, quand je suis venue, je pouvais garder pour moi. Tu vois? Mais j'ai préféré parler de ça sur la toile pour qu'un autre combattant ne tombe pas dans le même piège. Parce que comme j'ai pu m'échapper là, ils m'ont dit comme quoi nous sommes fichés. Ils m'ont demandé si je ne sais pas que nous sommes fichés pour venir là-bas les tenter. Je dis comment ça ficher? Qu'est-ce que j'ai fait? Le militaire dit, c'est pas vous qui saccagez les ambassades, c'est pas vous qui agressez. Je dis, mais moi, non. Il sort son téléphone comme ça, là, il se met un peu à l'écart pour appeler. Je sais pas qui voulait appeler. Quand ils étaient en train de l'autre, le monsieur qui était assis là, il était en train de parler. Quand j'ai vu que c'était chaud, c'est où j'ai décalé et ils ont fait ce qu'ils ont fait là. Donc, comme ils ont nos photos, ils ont comme quoi, ils ont nos photos, ils ont tous les renseignements sur nous. Donc, un autre combattant, quelqu'un qui sait qu'il a déjà une fois été à une manifestation, même si ce n'est pas à l'intérieur de l'ambassade, quelqu'un qui peut-être a l'habitude de mal commenter sur Facebook, pardon, s'il a besoin d'un document, qui cherche la route autrement. Parce que comme j'ai pu m'échapper là, ils vont prendre des dispositions que si quelqu'un entre là-bas, ils vont fermer la porte même avant de te faire savoir qu'on t'a remarqué. Ils vont fermer la porte avant de te faire savoir qu'ils t'ont remarqué. Je te jure. Donc, moi, j'ai échappé belle, comme tu dis. J'ai vraiment échappé belle. Mais je ne pense pas que si une autre personne, un autre combattant entre là-bas, il aura la même chance que moi. De un, ils ont vu que j'étais une femme. Peut-être que c'est ça. Ils m'ont sous-estimé. Et voilà, de deux, je peux dire... C'est la main de Dieu. Nos ancêtres n'ont pas permis que ça arrive. Parce que quand la police est arrivée, la police a même refusé. Les policiers qui sont arrivés, ils ont refusé de me donner un PV là-bas. Parce qu'ils ont dit comme quoi, ça s'est passé sur un autre territoire. Donc ça s'est passé à l'intérieur de l'ambassade. Donc une fois que tu traverses les portes de l'ambassade, tu es sur un autre territoire. Ils ne peuvent pas faire un constat comme ça. Si c'était passé peut-être devant l'ambassade, pas dehors, oui. Mais là, c'est à l'intérieur, donc ils ne peuvent pas. Et il y a un policier qui m'a dit comme quoi, c'est que dans quelle ambassade que quelqu'un est parti là-bas. On a tué, découpé son corps là-bas jusqu'à... Il m'a demandé s'il n'est pas vu. Il dit, papa, je ne suis pas au courant. Il a dit que c'est la Tunisie ou c'est quel pays, je ne connais même pas.
Il m'a dit, parce que le vigile lui a fait. Quand ils sont entrés, on les a dit comme quoi rien ne s'est passé. Mais sans savoir que le vigile les avait déjà dit que je suis une opposante. Que quand je suis arrivée là-bas, ils ne m'ont pas remarqué. Est-ce que vous entendez ça? Quand la police leur demande ce qui s'est passé, ils disent qu'il n'y a eu rien. Or, la police avait déjà questionné le vigile et le vigile leur a dit que Brigelle Nana est une opposante au régime. Est-ce que vous voyez le niveau de bestialité, le niveau de mensonge de ces gens? Ils essayent de kidnapper une femme et quand la police vient leur demander ce qui s'est passé, ils disent rien. Or, le vigile a déjà dit à la police que cette femme est une opposante au régime qui est entrée dans l'ambassade. Lui, le vigile, il ne m'a pas remarqué parce que j'avais perdu du poids et j'avais changé de coiffure. C'est pourquoi il ne m'a pas remarqué. Sinon, c'est quand il a entré qu'il a vu mes photos, que je suis une opposante, je viens souvent manifester là-bas. C'est où le policier dit que, mais madame, vous avez risqué votre vie. En tant qu'opposante, c'est un risque énorme que vous avez pris. On pouvait vous tuer même là-bas dedans comme ça, là, et nous, on ne sait pas intervenir. Et il dit que, madame, pardon, je ne dors pas. Et mais coup, je fais seulement que c'est seulement la scène là qui est dans ma tête. Même manger, même je n'arrive même pas à manger. Je n'arrive même pas à manger. J'ai fait la nourriture comme ça là, je nourris ton champion avec. Mais moi-même là, dit que je n'ai pas faim en fait. Je n'ai pas faim. Je suis là comme ça. Quand la maman était au courant, maman, c'est les pleurs que tu veux voir. C'est les pleurs que tu veux voir. C'est les pleurs que tu veux voir. Marion, quand je te parle là, j'ai les larmes aux yeux, je te jure. J'ai les larmes aux yeux quand je te parle. Que Dieu nous aide, pardon. Voilà donc le traumatisme qu'a subi notre guerrière. Elle n'arrive pas à manger, elle ne dort pas. Elle est traumatisée parce qu'elle a échappé à la mort en plein jour. Et plus traumatique encore, la police belge lui dit qui n'ont pas le pouvoir d'intervenir à l'intérieur d'une ambassade. Et c'est la loi, c'est ainsi. Ils ne peuvent pas intervenir tant que l'ambassadeur ne donne pas l'ordre. Lorsque nous entrons à l'intérieur de l'ambassade pour manifester, l'ambassadeur donne l'ordre. Même par téléphone, il donne l'ordre. Mais dans le cas précis, et ça je tiens à le dire aujourd'hui, la police et les autorités judiciaires belges auront accès à cette ambassade et auront accès aux caméras de surveillance qui ont enregistré tout ce qui s'est passé parce que une plainte en bonne et due forme a été déposée. Une plainte en bonne et due forme a été déposée. Tentative d'enlèvement d'une femme sans défense à l'intérieur d'une ambassade. Tentative d'assassinat d'une femme sans défense. C'est très grave ce qui s'est passé. Et tous ceux qui sont coupables, soit ils vont fuir la Belgique et être renvoyés au Cameroun, soit ils seront traînés dans les tribunaux. Leur immunité diplomatique va être remise en cause. Nous leur disons ça aujourd'hui. Cette plainte sera appuyée par toutes les organisations que vous pouvez imaginer. Les droits de l'homme, défense des droits de la femme, ainsi de suite. Nous n'allons lésiner sur aucun moyen pour que cette barbarie, cette sauvagerie s'arrête. Le régime satrapique de M. Biya, qui arrête tous les opposants, les vrais, au Cameroun, les enferme sans aucune autre forme de procédure, la preuve, Banda Itembe et ses compagnons ont écopé de 2 ans de prison simplement pour avoir dit que M. Biya et son gouvernement volent. La preuve, Olivier Bibou-Nissak et Alain Foguet ont écopé de 7 ans d'emprisonnement simplement pour avoir eu l'intention de marcher. Alors ces gens veulent appliquer les mêmes méthodes qu'ils appliquent dans leur gouvernement ici en Europe. Nous allons leur montrer qu'ils sont dans d'autres territoires. Nous allons leur montrer qu'on ne touche pas à un membre de la BASSE. On ne touche pas à un membre de la BASSE. Une femme sans défense, une femme qui n'a rien fait, une femme innocente, face à des militaires dans une ambassade,
Elle a échappé. Elle n'a eu sa vie sauve que parce qu'elle s'est débattue comme une lionne. Elle s'est débattue comme une lionne. Juste à ce que la police vienne la trouver coincée à la porte. Elle a aujourd'hui la jambe complètement écrabouillée. Elle a la jambe complètement écrabouillée. Elle a les articulations qui ont été tirées parce qu'on a essayé de la tirer à l'intérieur. Nous disons à ces gens, ce militaire dont je porte le chapeau, je lui dis, tu cherches une Amazone? Tu cherches une membre de la base? C'est moi qui porte ton chapeau. Je te donne rendez-vous où tu veux, quand tu veux, en diaspora. Je répète, je te donne rendez-vous où tu veux, quand tu veux, en diaspora. Et j'aurai ton chapeau sur la tête. Viens le récupérer si tu es un homme. Viens récupérer ton chapeau. Viens récupérer ton béret si tu es un militaire formé. Laisse Brigelle Nana. Laisse les combattants innocents. Tu connais ce qui est à l'intérieur de l'ambassade. Tu connais ceux qui t'ont fait l'île. Tu connais les gens qui t'avaient fait l'île. Tu connais ceux qui portent ton béret tous les jours dans les lives. Pourquoi tu veux tuer cette femme? Tu veux tuer une femme innocente, pourquoi? Eh bien, nous allons vous montrer que nous sommes dans des pays de droit. Nous allons vous montrer que nous sommes dans des pays de droit. C'est de ça qu'il s'agit. Votre sauvagerie là, votre barbarie, vous allez la laisser à Yaoundé. Dès que vous traversez les frontières de Yaoundé, on va vous montrer. On va vous montrer. C'est de ça qu'il s'agit. Découpe ce live, tu amènes même au ciel. Découpe le live ici, tu amènes au paradis si tu veux. Tu vas lire. C'est de ça qu'il est question. On va te faire fuir la Belgique. Tu vas fuir la Belgique. Les poursuites judiciaires qu'on va te coller aux fesses n'auront pas de nom. Même Evina n'aura pas le courage de te couvrir. Parce que ce que tu as fait était très grave. Tentative d'enlèvement, de kidnapping. Tentative de kidnapping. Donc les gars, vous qui avez vu ce communiqué circuler dans la toile, vous qui avez vu les photos de cette femme circuler, et vous ne saviez pas exactement de quoi il s'agissait, je crois qu'aujourd'hui, à travers ce live, vous avez compris ce qui se passe. Je tiens à rappeler, je dis bien, je tiens à rappeler que eu égard des actes d'un citoyen camerounais, il a droit au service de l'État camerounais. Même les prisonniers à Kondengui sont nourris par le gouvernement. Même les prisonniers à Kondengui sont soignés par le gouvernement. Un citoyen camerounais pose un acte dans une institution camerounaise, cela ne lui enlève pas le droit d'être servi comme tous les autres citoyens camerounais. Que cela soit bien clair. Et ayant dit ceci, ça m'amène à aller au deuxième sujet de ce live, qui est justement l'utilisation d'un service public par le Camerounais, le citoyen Maurice Kamto. Oui, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donnez-moi une minute, je vais juste m'abreuver. Je vous reviens, le temps pour vous de partager, parce que maintenant, je vais casser les papos. Je vais déchirer les papos. Bipez-moi le pasteur ventru bonimenteur Kennedy et Jacha. Faites-le asseoir ici. J'arrive. Partageons le live. Partageons le live. Parce que maintenant là, vous allez comprendre que le canfa, ce n'est pas le bonbon. Je vais d'abord, pendant que je me prépare pour tchouquer le fémur,
Je vais mettre une musique qui va nous galvaniser. Le temps de partager très, très vite. Voilà. Alors, pourquoi je mets cette chanson-là? Vraiment, je mets cette chanson parce que quand on parle du Kamto process, le gouvernement satrapique, les détracteurs, les jaloux, les haineux, les envieux n'ont pas encore compris que cet homme a une longueur d'avance. Kamto a une longueur d'avance sur toute la classe politique camerounaise. Ça fait 4 ans qu'on essaye de le salir. Ça fait 4 ans qu'on essaye de le détruire. Ça fait 4 ans qu'on colle des histoires sur le dos de cet homme. Ça a commencé avec Mesanga Nyamding qui affirmait à Mondovision qu'il avait une vidéo du président élu commettant des actes ignobles. 4 ans plus tard, on n'a pas l'ombre de cette vidéo et le président élu lui a accordé son pardon. Ils ont tout dit, ils ont tout fait pour le trahir, pour le salir, pour le discréditer, rien n'y fait. Ils sont entrés à l'intérieur du parti. Ils ont corrompu ses collaborateurs les plus proches. Nous avons vu les trahisons, les unes après les autres. Célestin Djamène, Michel Ndoki, Christian Pendaikoka. Ils ont été nombreux. Mais rien n'y fait. Ce monsieur, c'est la droiture personnifiée. C'est l'intégrité incarnée. Rien n'y fait. Alors, il s'agit ici d'une tentative de dénigrement, de salissement du président élu, son Excellence Maurice Kamto, à travers une campagne visant à le dépeindre comme quelqu'un qui aurait goûté à la sardine. Vous avez vu les nombreux postes. Vous avez vu même les caricatures, le montrant dans le même lit avec Biya, disant que il a goûté, il a déjà sa part de sardine. J'en rigole aujourd'hui. Oui, des combattants sont sortis là-dessus. Mais j'ai pris le temps d'observer, d'écouter, avant aujourd'hui, de siffler la fin de la récréation. En tant que l'on coule Kamto, le tam-tam du président Kamto, tant que le tam-tam de Kamto ne résonne pas, les bruits continuent. Aujourd'hui, nous allons mettre fin au bruit. Nous allons mettre fin au bruit. Alors, le président Kamto a été filmé alors qu'il était à la guérite. Je rappelle bien, écoutez très très bien. Le président Kamto a été filmé alors qu'il était à la guérite du palais d'Etoudi.
en plein jour, dans son véhicule officiel. Rappelons, je dis bien, rappelons que le président Kamto est citoyen camerounais. Rappelons aussi qu'Etoudi est un lieu public occupé par l'actuel président de facto de la République du Cameroun. Je répète, hein, Etoudi est un lieu public occupé par l'actuel président de facto de la République du Cameroun. Il ne s'agit en aucun cas d'une résidence privée. Il ne s'agit en aucun cas d'un domaine réservé. Le palais d'Etoudi, c'est comme l'Élysée. Tout citoyen français peut aller à l'Élysée du moment qu'il a une raison valable d'y aller. Nous avons été dans toutes les institutions mondiales. Nous avons été aux Nations Unies. Nous avons été à l'Union Européenne. Ce ne sont pas des endroits privés. Ce sont des endroits publics ouverts à tous les citoyens. Du moment que vous avez une raison officielle d'y être, ils n'ont aucune raison officielle de vous repousser. Que ce soit bien clair dans l'esprit de tout un chacun. Ces détails sont importants parce qu'ils ont voulu faire croire qu'Etoudi, c'était la maison de Paul Biya et que le président Kamto était allé rencontrer Paul Biya. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Pourquoi est-ce qu'ils essayent à tout prix de coller une rencontre entre Paul Biya et Maurice Kamto? Pourquoi? On sait très bien que le président élu a toujours tendu la main à M. Paul Biya. Notamment lorsque il est allé au Conseil constitutionnel. Il a dit à Mondovision que sa main est tendue. Il a dit à Mondovision qu'il ne fera pas de chasse aux sorcières. Il a dit à Mondovision qu'il va assurer une retraite paisible à M. Biya. Il a dit à Mondovision qu'il va s'assurer que M. Biya et sa famille puissent se reposer paisiblement. Une deuxième fois, lorsque M. Biya organise un factice de grand dialogue, je dis bien un factice de grand dialogue, le président Kamto dit ceci au gouvernement de M. Biya et à M. Biya, par défaut, sa main est tendue pour un véritable dialogue qui va inclure tous les acteurs de la politique camerounaise, mais surtout tous les vrais acteurs de la crise anglophone. Le président Kamto l'a dit. Le président Kamto l'a dit. Alors aujourd'hui, il crie sur tous les toits que Kamto a rencontré Biya, Kamto a rencontré Biya. Comme si c'était une victoire pour eux. Et peut-être qu'ils veulent que ça soit une victoire. Mais nous allons aujourd'hui démonter, je dis bien démonter, cette énième forfaiture, cet énième mensonge, cet énième montage du gouvernement de M. Biya, qui n'a pour autre but que de discréditer le président Kamto. Un instant. Déjà, avant de démonter cela, il faut qu'on explique pourquoi c'est important pour eux de faire croire à l'opinion publique nationale et internationale que le président Kamto serait allé rencontrer de façon secrète Paul Biya. C'est très important pour eux parce qu'ils savent que le Cameroun est gangréné par la corruption. Parce qu'ils savent que la politique camerounaise est victime justement de ces leaders qui s'érigent contre le régime et finissent par aller prendre leur part auprès du président en exercice. Ils savent très bien que ce qui a discrédité et tué ni John Frundi, qui est le plus grand opposant avant Maurice Kamto, était justement des accusations et même des preuves de corruption. Parce qu'aujourd'hui, ni John Frundi avoue qu'il a pris sa part, il le dit.
Il le dit, il dit à Mondovision que le gouvernement a enterré son épouse. Il le dit que le gouvernement paye ses frais d'hospitalisation. Et donc, si le peuple a perdu espoir en M. Frundi, si M. Frundi a perdu la grâce auprès des Camerounais, c'est justement parce qu'il avait mangé la sardine. Et lorsque M. Frundi mange la sardine, il ne va pas étudier pour le faire. Parce que ce serait trop flagrant. Ce serait trop évident. M. Biya, qui a utilisé toutes les mêmes méthodes qu'il utilise avec Kamto aujourd'hui, c'est-à-dire menacer Frundi, menacer sa famille, le mettre en résidence surveillée, enfermer ses militants, il l'avait fait à son temps. Et lorsqu'il a vu que Frundi n'en demandait pas, qu'est-ce qu'il fait? Il organise un soi-disant congrès du RDPC à Bamenda. Et lorsqu'il s'y rend, il en profite pour rencontrer Frundi nuitamment. Une fois qu'il a rencontré Frundi, le discours de Frundi a changé. L'attitude de Frundi a changé. Sa lutte a changé. Et c'était tellement évident. C'était tellement évident que M. Frundi était dans une logique d'accompagnement du régime. Alors, puisque ce cas est encore très frais dans la mémoire de tous les Camerounais, puisque le cas d'autres fameux opposants qui ont été retournés est encore très frais dans nos mémoires, je pense ici au Célestin Djamène, je pense ici à Jean de Dieu Momo, je pense ici à tous ceux-là qui ont fini par entrer dans une politique d'accompagnement du régime. Le régime en place sait que puisqu'il ne peut pas tuer physiquement Kamto, puisqu'il ne peut pas, il a échoué pour détruire le MRC, il a échoué pour le discréditer, pour diviser son mouvement, la seule option qui leur reste, surtout le timing est très important parce que nous sommes à l'aube de 2023. 2023 étant une année très, très décisive dans la politique camerounaise, puisque nous savons qu'en 2025, il y aura les présidentielles. Mais avant les présidentielles, en 2025, il y aura justement le renouvellement des organes de base qui a déjà commencé au sein du MRC et qui va se poursuivre. Il y aura justement le renouvellement des organes de base dans tous les autres partis. Il y aura effectivement le renouvellement ou alors l'ouverture des candidatures, le vote du leader du MRC. Donc, le timing est très... C'est un détail qui échappe à beaucoup de personnes. Lorsqu'il y a quelques mois, je vous ai dit ici que la résistance en diaspora était violemment attaquée et que vous deviez voir beaucoup de choses se passer en diaspora. Beaucoup ne m'ont pas pris au sérieux jusqu'à ce que moi-même je sois victime. Tout ce que nous voyons est orchestré, millimétré par le gouvernement de M. Biya, qui est en train de préparer les prochaines échéances. Et pour préparer les prochaines échéances, il faut affaiblir, il faut à tout prix affaiblir la résistance pacifique qui est constituée du MRC, de la résistance en diaspora, mais surtout, 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 le ciment de cette résistance, c'est le président élu, son Excellence Maurice Kamto. Donc, il profite d'une photo, d'une occasion où le président élu s'en va à Etoudi. Et nous allons vous dire maintenant les raisons de sa visite. Quand je dis visite, hein, c'est un peu abusé. Je vais revenir sur ce terme. Les raisons de sa présence à la guérite du palais d'Etoudi pour vouloir empoisonner l'opinion publique nationale et internationale afin de leur faire croire que Maurice Kamto aurait mangé la sardine. Ceci est très important parce que même au sein de la résistance, et ça c'est un secret que je vous révèle, même au sein de la résistance, on a vu des combattants qui ont douté. On a vu, nous avons eu affaire à des gens qui se disent pro-Kamto, qui ont cru à ce mensonge grossier
qui sont même allés jusqu'à argumenter que comme toi, Léa, il tout dit. Aujourd'hui, nous avons tous les éléments pour enfin mettre fin à cette campagne nauséabonde. Ceci étant dit, je vais revenir sur certains faits qui sont assez importants pour nous de la résistance. Quand on parle de Maurice Kamto, il faut bien qu'on le mette en contexte. Qui est Maurice Kamto? Et pourquoi est-ce qu'il est devenu le focus, le point focal du gouvernement de M. Biya? Pourquoi est-ce qu'il est devenu le centre, l'épicentre de toutes les campagnes de déstabilisation du régime de M. Biya? Maurice Kamto, c'est cet opposant qui a gagné, je répète. Maurice Kamto, c'est cet opposant qui a gagné les élections présidentielles de 2018. Élections qui lui ont été dérobées de façon éhontée et en mondovision par la Cour constitutionnelle constituée des membres du RDPC de M. Biya. Maurice Kamto, c'est justement ce vainqueur dérobé de sa victoire qui a refusé d'accepter la défaite, qui a lutté depuis 4 ans avec des moyens, je répète, pacifiques pour justement alerter l'opinion nationale et internationale sur ce qu'il avait été dérobé de sa victoire. Maurice Kamto, c'est celui-là qui donne des sueurs froides et des nuits d'insomnie au régime de M. Biya. Pourquoi? Parce qu'il est incorruptible, irréductible, droit dans ses bottes. Parce qu'il n'a pas cédé à tous les pièges à lui tendus par le régime de M. Biya. Et des pièges, il y en a eu. Je peux les énoncer. Mais surtout, Maurice Kamto, c'est cet homme qui expose les tares et les avatars de ces régimes croulants, de ce régime défaillant, de ce régime moribond aux abois qui continue d'imposer une vie dure aux citoyens camerounais. Oui. Lorsqu'en 2019, janvier 2019, le président Maurice Kamto lance le plan de résistance pacifique nationale, il est arrêté au domicile de l'honorable Albin Zongan et jeté en prison, humilié, jeté en prison pour 9 mois avec plus d'un millier de militants et sympathisants. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, un parti politique subit des arrestations allant à plus de 1000. Le président élu, dont le parti a été décimé, tout le directoire, jeté en prison, n'a pas cédé. 9 mois d'emprisonnement, il les a passés dans la sérénité. Sorti de prison, on essaye de lui coller une étiquette d'insurrectionnel. On essaye de lui coller une étiquette de quelqu'un qui veut prendre le pouvoir par l'insurrection, de quelqu'un qui veut causer le chaos au Cameroun. Et pourtant, son discours n'a jamais été, on ne peut plus clair. Le changement se fera dans la paix et par les urnes. Il l'a toujours dit, il l'a toujours martelé. Le MRC, son parti, se voit refuser le droit d'organiser des réunions au sein de ses maisons, de ses sièges, dans toute l'étendue du territoire. Le MRC se voit l'interdiction d'organiser des meetings parce que, soi-disant, selon le régime, ces meetings causent un risque à la sécurité nationale. Bien qu'aucun militant du MRC n'ait jamais porté
soit un caillou, soit un bâton, soit quelque arme létale ou alors blanche, que ce soit. Monsieur Kamto est donc, le président élu est donc étiqueté comme quelqu'un qui est dangereux pour le Cameroun. On le met à résidence, assigné, pendant plusieurs mois l'année qui suit, dans son domicile. Il va à Douala pour les dédicaces de son ouvrage qu'il a rédigé pendant qu'il était en prison. Il se voit escorté manu militari de la ville de Douala jusqu'à Yaoundé comme un vulgaire voleur. Alors, posons-nous les vraies questions. Un homme qui a donc été estimé être aussi dangereux, qui a été enfermé dans sa maison pendant des mois, n'ayant même pas le droit de manger, les forces de l'ordre se relayant au devant de sa porte pendant des mois, n'ayant même pas le droit d'avoir des soins médicaux. Comment est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, le gouvernement se vante du fait qu'il soit étourdi? Qu'est-ce qui s'est passé? Posons-nous les vraies questions. Posons-nous les vraies questions. Eh bien, je vais vous rappeler certains faits. Parce que c'est trop facile de brosser du revers de la main et de venir nous dire que Kamto a pris la sardine. C'est trop facile. Nous ne sommes pas adeptes de la facilité. Nous ne sommes pas adeptes de la paresse. Rappelons certains faits à ces partisans du mensonge. Avant de maintenant revenir sur la soi-disant, la présence de Maurice Kamto à Étourdi. Revenons sur certains faits. Alors, j'espère que je les ai tous là, ces éléments. Voilà. Au regard du maintien en résidence surveillée du professeur Maurice Kamto, la France monte au créneau. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a donc affirmé que Paris maintien en résidence surveillée du professeur Maurice Kamto. La France monte au créneau. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a donc affirmé que Paris demande la libération de toutes les personnes arrêtées ou à la suite des manifestations politiques au Cameroun et exige également des gestes d'ouverture afin d'apaiser les tensions et rétablir la confiance sur la scène politique. Nous l'écoutons. Sur la situation de Monsieur Kamto, plusieurs m'ont posé cette question, y compris à la fin de mon intervention, de tout à l'heure Madame Poletti aussi, Monsieur Wasserman sur le Maurice Kamto. Nous avons des positions très claires sur la nécessité de faire en sorte que la démocratie fonctionne au Cameroun. J'ai eu l'occasion de dire à plusieurs reprises que je ne serais pas allé au Cameroun si M. Kamto n'avait pas été libéré. J'ai attendu qu'il soit libéré pour me rendre au Cameroun. Et à l'époque où j'y suis allé, nous étions dans une phase d'accalmie. Et des libérations étaient intervenues, dont celle de Maurice Kamto. Mais la situation s'est de nouveau tendue, vous avez raison de le dire, depuis le mois de septembre. Et donc nous souhaitons que les autorités camerounaises prennent des initiatives de gestes d'ouverture pour rétablir la confiance sur la scène de la politique intérieure et qu'elles libèrent les personnes arrêtées dans le cadre de manifestations à caractère politique. Le président de la République l'a rappelé, je crois que c'est Madame Poletti qui l'a rappelé, ou Monsieur Wasserman, dans un interview à Jeune Afrique il y a quelques jours. Et nous sommes dans cette logique-là. Et ces messages sont très fermes à l'égard des autorités camerounaises. Sur le Mercosur. Voilà. Vous avez entendu Monsieur Jean-Yves Le Drian au sujet de l'arrestation du président Kamto. Rappelons qui est Monsieur Jean-Yves Le Drian. Monsieur Jean-Yves Le Drian est le chargé des affaires africaines à l'Élysée.
Et c'est le monsieur France-Afrique. Donc, lorsqu'il dit qu'il a demandé, il s'est rassuré, il a dit qu'il ne viendra pas au Cameroun tant que le président Kamto n'est pas libéré. Vous comprenez à quel point l'arrestation, l'embastillement, la séquestration du président Kamto a retenti sur le plan international. Rappelons aussi, au passage, qu'en dehors de l'honorable Jean-Michel Ninche, parmi les opposants camerounais qui avaient demandé la libération du président Kamto, qu'aucun autre opposant prédominant au Cameroun ne s'est prononcé favorablement quant à la séquestration du président Kamto. Vous avez sûrement entendu ce qu'avait dit le leader du PCRN, qui avait traité le président Kamto d'insurrectionniste. Je suis en train de vous remettre en contexte qui est le président Kamto et quel est son poids politique au Cameroun, afin que vous compreniez pourquoi il est si important pour le régime de M. Biya d'instrumentaliser un passage de Maurice Kamto devant la guérite des Tutsis. Je n'utiliserai pas le mot visite et je vais vous dire pourquoi tout de suite. Ceci étant dit, je vais vous rappeler donc, je vais aussi vous Même chose. rappeler ce que le président Kamto a subi. C'est un véritable chapelet de récrimination que ces 14 experts. Et ce qui s'est passé lors de sa libération. Suivez. C'est un véritable chapelet de récrimination que ces 14 experts des droits de l'homme de l'ONU adressent aux autorités camerounaises, à qui elles demandent notamment de libérer l'opposant Maurice Kamto, retenu contre son gré à son domicile depuis une vingtaine de jours. Des experts onusiens qui exigent également la libération des dizaines de personnes arrêtées lors des manifestations pacifiques du 22 septembre dernier, organisées par le mouvement pour la renaissance du Cameroun, et s'inquiètent des allégations de disparition forcées, d'arrestations arbitraires et de mauvais traitements infligés aux manifestants, des violations des droits de l'homme qui nécessitent une enquête impartiale et dont les auteurs doivent être traduits en justice. Je rappelle que le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le parti de Maurice Kamto, avait appelé à des marches pacifiques le 22 septembre dernier avec pour principal mot d'ordre le départ du président Paul Biya, un appel jugé insurrectionnel par le pouvoir qui avait procédé à l'arrestation des personnes ayant bravé cette mesure d'interdiction. Le gouvernement camerounais, à qui nous avons demandé de réagir à ce rapport d'experts de l'ONU, n'a pas donné suite à notre requête. Donc, un autre reportage, cette fois-ci de France 24, qui justement fait état de ce que les organisations internationales, y compris les organisations des droits de l'homme, les Nations Unies, ont interpellé justement le gouvernement de Yaoundé afin que celui-ci libère le président Kamto. Je ne pense pas qu'un autre opposant au Cameroun ait fait l'objet d'autant d'attention des gouvernements étrangers, mais surtout des organisations internationales. Pour vous dire que le président Kamto est une menace évidente pour le régime en place, qui s'est vu ainsi exposé à l'international face aux actions barbares, sauvages qu'ils ont posées à l'envers du président Kamto et de ses militants, des militants de son parti. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, c'est assez bizarre que quelqu'un qu'on a taxé d'insurrectionnel soit même autorisé à approcher la guérite des Tutsis. Quelqu'un à qui on refusait même de sortir de son domicile. Quelqu'un qui était escorté même lorsqu'il allait acheter le pain à la boutique. Posez-vous les vraies questions. Que s'est-il passé entre-temps? Que s'est-il passé entre-temps? Eh bien, je vous le dirai.
Ce qui s'est passé, c'est que vous avez dû observer les récents meetings du MRC qui se sont tenus sans que la police, les autorités administratives ne viennent non seulement les interrompre, mais aussi arrêter les militants. Nous avons vu le meeting de Consamba où les militants ont quand même dû batailler pour pouvoir avoir ce meeting. Nous avons vu le meeting de Bafoussam où il y a eu une autre délocalisation. Néanmoins, ce meeting s'est tenu sans aucune arrestation. Ce qui est quand même une avancée énorme quand on sait que l'année précédente, les militants du MRC étaient systématiquement arrêtés et jetés en prison rien que pour avoir manifesté l'intention de manifester. Que s'est-il passé? Justement, il s'est passé que le président Kamto, avec son plan de résistance pacifique, est en train d'écraser le régime de M. Biya à l'usure. Il se passe que le président Kamto, avec son changement dans la paix et par les urnes, a eu raison du régime de M. Biya, qui n'a fait qu'exposer sa barbarie face à une formation politique pacifique. Il n'y a eu jamais, au grand jamais, un acte d'agression, un acte de violence, un acte de provocation de la part du président Kamto, du MRC et de ses militants. Et donc, lorsque le régime de M. Biya exerce la barbarie dont je vous ai montré, cela les fragilise à l'international. Cette fragilisation s'est encore manifestée avec le rapport du groupe de travail sur les droits de l'homme des Nations Unies qui a demandé, recommandé que le gouvernement du Cameroun dédommage tout ce qu'il avait emprisonné de façon arbitraire et injuste. Le gouvernement de M. Biya, qui est aux abois sur le plan financier, sur le plan diplomatique, se voit ainsi dos au mur face à un opposant qui, face à la violence, répond avec la paix. Face à la violence, répond avec le droit. Face à la barbarie, répond avec la paix. Encore la paix et toujours la paix. Alors, vous avez vu que le zélé ministre de l'administration territoriale, qui avait promis qu'un sous-préfet réglait le problème de Kamto, n'ose plus parler de Kamto. Vous avez vu que les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets n'osent plus interdire les meetings du MRC, n'osent plus récriminer les meetings du MRC dans le sang et dans la violence. Monsieur Kamto, le président élu, passe donc ainsi du plus grand terroriste camerounais au plus grand homme pacifique. Au point où, aujourd'hui, on le laisse s'approcher d'étudier. Soulignons encore quelque chose de très important. Lorsque ces gens, évidemment, laissent le président élu s'approcher de la guérite du palais d'étudier, qui, je le répète, est un bâtiment public au service de tous les Camerounais. Lorsqu'ils le laissent s'approcher de ce bâtiment public au service de la population, c'est justement parce que l'occupant de ce bâtiment est à l'étranger. L'occupant d'Étoudi est à l'étranger depuis des semaines. Alors, comment est-ce que Kamto peut rencontrer un Biya qui est après Washington à Genève? La manipulation ne passe pas. Justement, ils instrumentalisent cette affaire pour détourner l'opinion publique sur l'absence prolongée de M. Biya. M. Biya était parti à Washington pour un sommet États-Unis-Afrique. Pourquoi est-ce que Biya n'est pas encore au Cameroun? C'est la question qu'il faut se poser. Comment Kamto peut rencontrer Biya qui n'est pas là? À moins que ce soit le fantôme de Biya, puisqu'ils nous ont dit qu'il a apparemment plusieurs fantômes. Il est omnipotent, omniprésent. Peut-être qu'il a laissé un fantôme. Biya
que nous avons vu à Washington, dépourvu de ses sens, dépourvu de sa raison, dépourvu de force physique, est en ce moment en train de se soigner en Suisse. Par conséquent, une rencontre entre Paul Biya et Kamto n'aurait jamais pu avoir lieu. Premier élément. Et si les Sardinats veulent qu'on leur rappelle ce qui s'est passé avec leur champion, nous le ferons à cœur joie. Rappelons très bien ce que M. Biya a eu à Washington. Rappelons ce que M. Biya a eu à Washington. Si les Sardinats veulent à tout prix qu'on le rappelle, on va le leur montrer. Un instant. Voilà. Rappelons à ces gens pourquoi Paul Biya n'est pas de retour au Cameroun à l'heure actuelle. Et par conséquent, n'aurait jamais pu rencontrer le président élu Kamto. It is my honor now to present to you President Paul Biya, President of Cameroon. So he is making his way up here right now. So thank you. Pourquoi je suis en vedette? C'est qui tous ces gens qui sont là? Pourquoi je peux demander ça? Voilà donc un Paul Biya, un sommet international à Washington, le deuxième sommet en fait, Amérique, États-Unis, Afrique, pour vous dire à quel point ce sommet était important. Paul Biya, qui est le doyen des présidents africains et peut-être dans le monde, qui arrive à ce sommet et qui demande pourquoi je suis en vedette. Y a-t-il des gens importants? Qui sont tous ces gens qui sont dans la salle? Alors, face à cette humiliation internationale, cette vidéo qui a fait le tour du monde, qui a fait la honte de tout un peuple, ces gens essayent de noyer cette humiliation en nous sortant une affaire de Kamto à Aïtoudi. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ils veulent nous distraire de ce que le monde entier a constaté, que Paul Biya n'a plus tous ses sens. Paul Biya est atteint de démence. Paul Biya est une personne âgée atteinte d'Alzheimer. Il n'a plus la notion de lieu, d'espace et de temps. C'est de ça qu'il est question. Et pour distraire les Camerounais, ils sortent une histoire de Maurice Kamto qui est parti rencontrer Paul Biya, sachant très bien que depuis ce sommet, Paul Biya n'est pas au Cameroun. Il est en train de se soigner, le pauvre. Raison pour laquelle nous ne sommes même pas allés le chasser, parce que le mythe de Biya le puissant, le mythe de Biya le plus fort, ce mythe a été tué. Cette vidéo a fait notre travail. Elle a montré au monde entier que le Cameroun n'est plus dirigé. Elle a montré au monde entier que les supposées hautes instructions n'ont jamais été données par quelqu'un qui n'a plus ses sens.
Cette vidéo devrait faire l'actualité de tous les journaux au Cameroun. Devrait faire l'actualité de tous les plateaux de télévision. Devrait faire l'actualité du monde entier qui a vu que le Cameroun est dirigé par un démon, par quelqu'un qui ne sait pas où il est, ni ce qu'il fait, ni les qui sont avec lui. C'est de ça qu'il est question, les gars. Ces gens veulent noyer le poisson. Le poisson qui est que Paul Biya est devenu fou. Il est atteint de démence. Il est vieux. Il n'a plus sa tête. Tout ce qu'il fait, c'est de lire. Quand on lui donne un programme de lire, parce que, évidemment, la démence... je vais vous expliquer, je suis infirmière. Et en Europe, 80% de nos... 90%, qu'est-ce que je raconte, de nos patients sont des personnes âgées. Parce qu'en Europe, la population est vieillissante. Donc, 90% de nos patients sont des personnes de 70 ans et plus. Dans ces populations, il y a ce qu'on appelle démence. Démence, c'est un terme parapluie, un terme ombrella terme, un terme parapluie qui réunit beaucoup de conditions de dégénération du cerveau, parmi lesquelles l'Alzheimer, parmi lesquelles Parkinson, ainsi de suite. Ils sont regroupés sous le terme démence. Démence, c'est quoi? C'est les conditions de dégénération des cellules nerveuses qui ne peuvent plus se reconstruire. C'est une condition qui vient avec la vieillesse. Les signes, c'est quoi justement? La perte de mémoire. La perte de mémoire, de courte mémoire, short-term memory. La perte de courte mémoire. Par contre, les personnes atteintes d'Alzheimer ont les souvenirs de leur jeunesse. Ils savent quel métier ils font. Ils sont capables de reproduire les gestes qu'ils faisaient lorsqu'ils travaillaient, lorsqu'ils avaient toute leur capacité intellectuelle et mentale. C'est pour ça que dans les maisons de retraite et dans les hôpitaux les spécialisés pour les personnes âgées, il y a des magazines datant des années 30, 40 pour leur rappeler leur temps, pour ramener des souvenirs. On leur met des activités ayant trait, des objets d'activité ayant trait à leurs anciennes professions. Vous allez peut-être trouver une machine pour les maçons, vous allez trouver une machine à coudre, un jouet pour les infirmiers, pour les couturières, vous allez trouver plein d'objets comme ça. C'est comme ça qu'on occupe les personnes atteintes de démence. Et Paul Biya est atteint de démence. Paul Biya est atteint de démence. La démence, c'est pas un terme, c'est pas pour se moquer de lui. C'est une évolution normale, biologique, de l'être humain qui va à la fin de sa vie. Je répète, hein, démence, la démence, c'est une évolution normale, physiologique, de toute personne évoluant vers la fin de sa vie. Et donc, Paul Biya étant atteint de démence, ne peut même plus se souvenir s'il a donné les hautes instructions, la signature permanente en Gongo ou non. Il ne peut plus. Il ne sait plus. Lorsque vous voyez un Atanganji qui est hautain en disant que celui qui a instruit l'enquête sur l'agent du COVID n'a qu'à lui demander les comptes, c'est parce qu'il sait que Paul Biya ne se souvient même plus. Si jamais il avait initié cette enquête, il ne se souvient plus. Il est atteint de démence. C'est pour ça que vous voyez, au Cameroun, chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, parce qu'ils savent tous que Paul Biya est atteint de démence. C'est pour ça que vous voyez Ngongo, qui se comporte comme celui qui dirige au Cameroun, parce qu'il sait que Paul Biya est atteint de démence. Tout le monde le sait, et nous le soupçonnions. Sauf qu'on n'en avait pas la preuve tangible. Et la preuve tangible nous a été livrée à Washington. Où pour la première fois, son épouse dominatrice n'était pas à ses côtés pour couvrir ses défaillances. Et c'est ça qui devrait faire l'actualité. Quand vous voyez un Cameroun où les microbes se répandent dans la plus grande ville, capitale économique d'Afrique centrale, où vous voyez des adolescents qui paralysent toute la capitale économique, vous comprenez que le Cameroun n'est plus dirigé. Vous comprenez que tout le monde a compris que le bateau Cameroun n'a plus de capitaine. Paul Biya n'a plus ses sens. Et c'est ça la question principale.
et pour noyer dans ce poisson, pour étouffer cette actualité. Il nous sort une histoire de Kamto qui est à la guérite de Toudi, alors que la vraie actualité, c'est la vacance du pouvoir au Cameroun. Puisque l'incapacité de Paul Biya à diriger nous a été servie à Mondo Vision à Washington. L'incapacité de Paul Biya à gouverner nous a été servie à Mondo Vision à Washington. C'est de ça qu'il est question. Donc ils arrêtent de distraire les gens avec une photo de « Oh, il a rencontré Paul Biya ». À titre de rappel, ils ont essayé de comparer cette présence du président élu. Je vais vous dire pourquoi je n'utilise pas le mot visite. Hein. Cette présence du président élu à Etoudi, à la guérite d'Etoudi, ils ont essayé de la comparer à la rencontre qu'avait eu Michel Ndoki avec Atanganji. Ils savent pourtant que le contexte et même les circonstances sont hyper différentes. Michel Ndoki est membre du parti, bien qu'étant, je le crois, hein, elle était, si j'espère ne pas me tromper, qu'elle était membre du directoire. Pour que Michel Ndoki aille rencontrer un membre du gouvernement, il faut qu'elle ait l'aval de son parti. Michel Ndoki est parti rencontrer Atanganji nuitamment dans un hôtel, ça il faut le préciser, à l'insu de son parti. Et cette rencontre n'a été rendue publique que par inadvertance et elle était obligée d'avouer qu'elle a effectivement été dans un hôtel rencontré à Atanganji dans la nuit, en plein milieu de la nuit. Donc, ils essayent donc de comparer quelqu'un qui allait dans un hôtel. Rappelons qu'un hôtel, c'est un endroit démarqué, c'est un endroit non officiel. Ils essayent de comparer cela à quelqu'un qui a pris son véhicule officiel et est allé à la guérite de l'endroit le plus surveillé au Cameroun. Je répète. Ils veulent nous faire croire que l'homme le plus surveillé au Cameroun, qui est Maurice Kamto, parce qu'on l'a qualifié d'insurrectionnel, Maurice Kamto est l'homme le plus surveillé au Cameroun. Ils veulent nous faire croire que l'homme le plus surveillé au Cameroun a démarré sa voiture officielle qui est connue de tout le monde et est allé en plein jour à la guérite d'Etoudi pour aller rencontrer Paul Biya en secret. Quelle incohérence! Allez le faire croire. Même les plus idiots ne croiront jamais à cela. Que Maurice Kamto, qui est l'homme le plus surveillé du Cameroun, pour aller prendre la sardine, va en pleine journée dans son véhicule officiel. Même le plus stupide des Camerounais ne le ferait pas. Même John Frundi ne l'a pas fait. Même John Frundi n'est pas allé Etoudi dans son véhicule pour aller rencontrer Biya. Ils veulent nous le faire croire. Aujourd'hui, nous savons que Paul Biya n'est pas à Yaoundé parce qu'il est toujours en Suisse pour avoir exposé son inhabilité à gouverner à Mondo Vision. De un. De deux, on sait que le président élu y est allé en plein jour. Donc, il ne s'est pas caché. De trois, on sait aussi qu'il n'est même pas entré à l'intérieur d'Etoudi, mais s'est arrêté à la guérite où il a transmis un courrier. Les vidéos et les photos le montrent. De quatre, on connaît aujourd'hui le contenu de ce courrier. Ils se sont empressés de lancer une campagne et de dire, oh, il avait dit, je ne vous trahirai jamais. Oh, il est parti faire, appelez-moi le pasteur bonimenteur Kennedy Ejacha. L'homme qui a raté sa vie aux États-Unis. L'homme qui mange comme un porc en direct.
L'homme qui a le ventre rempli de caca. L'homme qui a la barbe sale, comme quelqu'un qui ne connaît pas la route, qui va chez le coiffeur. Un homme qui vit aux États-Unis depuis 40 ans, il est crasseux. Et c'est lui qui ose ouvrir sa bouche baveuse pour parler de Maurice Kamto. Kennedy et Jacha, laisse Kamto, tu ne peux même pas, même dans tes rêves les plus fous, te frotter à une éminence comme lui. Je dis, moi je suis le cool Kamto. Encore que même moi, tu ne m'aimes sur le plan socio-intellectuel, tu ne peux pas te frotter à moi. On s'est rencontrés plusieurs fois dans les plateaux et j'étais écrasé à plate couture. Monsieur Kennedy et Jacha, toi qui fais dans la distraction, tu dis être anglophone, tu es parti au factice du grand dialogue. Les fameuses résolutions du grand dialogue qui avaient dit qu'ils vont faire un statut spécial pour les régions du Nozo, où en est-on avec? Est-ce que tu en parles encore? Toi, natif du Nozo, tu nous parles encore de ces fameuses résolutions? Qu'est devenu le statut spécial? Tes frères et sœurs du Nord et du Sud-Ouest qui continuent de mourir, tu n'en parles pas? Tu as pris ta part de sardines. Maintenant, il faut que tu insultes tout le monde. Même le SIF t'a rejeté. Tu n'es qu'une vomissure de politicien. Tu n'es qu'une raclure, une ramassure. Et tu oses ouvrir ta bouche baveuse pour parler de Maurice Kamto tous les jours? Moi, je vais t'insulter. Si tu es fâché, tu sautes, tu cales en l'air. Maurice Kamto n'est pas au courant de toi, monsieur. Il n'est pas au courant de toi. Tous les jours, il parle de Maurice Kamto. Tous les jours, il parle de Maurice Kamto. Un monsieur qui vit aux États-Unis, il est comme une dame Jeanne. Elle avait les grosses cuisses, comme la dame Jeanne de vin. Tu connais pas là où on fait le sport? Il n'y a pas d'espace de sport aux États-Unis? Il est là, comme les boules de héros qu'on a collées ensemble. Quelqu'un qui mange sans aucune esthétique, tu oses parler du président élu, toi? Tu oses parler du président élu? Tu l'as vu? Tu as vu comment M. Kamto se présente à son âge? Il est propre, il est beau, il est bien entretenu, il est élégant. L'homme le plus intelligent que le Cameroun ait pu créer. Quelqu'un comme toi ouvre aussi sa bouche. Oh, Kamto, Kamto, Kamto. On t'a dit que si tu manges la sardine nauséabonde, c'est tout le monde qui mange? Quelqu'un qui a vendu ses convictions, on a tué ta famille, il s'est déplacé, a fui le Nozo. Mais tu es là, tu peux prendre ton argent pour aller au dire, pour valider la forfaiture de Biya. Tu n'as pas honte, toi? Tu n'as pas honte? On tue tout le peuple Nozo. Toi, tu pars au grand dialogue. Depuis que le grand dialogue est passé, où sont les résolutions? On vous avait dit que we go create special status for Northwest and Southwest. Où est le special status là? C'est devenu quoi? C'est devenu quoi? Kennedy et Jacha, viens nous dire où est le special status. Tu es là, tu t'empiffres comme un bouffon. Tu fais les vidéos, tu t'empiffres comme un bouffon. Mais tu n'es qu'un bouffon, toi. Tu n'es qu'une raclure, une ramassure. Je vais vous montrer, en fait, hein, pour vous dire que ces gens avaient organisé toute une campagne justement pour salir le président élu, pour le déstabiliser. Mais on vous a dit, et on vous répète, qu'avant d'atteindre Kamto, vous allez devoir passer par nous. Nous sommes le bouclier du président Kamto. De jour comme de nuit, avant d'atteindre le leader de notre résistance, vous allez faire face à nous. Et face à nous, vous n'avez pas de force. Regardez ce que ces mécréants ont organisé comme campagne pour salir le nom du président élu. Regardez. En cours dans son pays pour un remplacement du président Paul Biya par son fils Franck à la tête de l'État. Non, c'est pas ça. Je suis désolée, c'est pas ça. C'est ça ici. La toile s'enflamme depuis quelques jours. Maurice Kamto, aperçu à la présidence de la République, si le communiqué signé du secrétaire général du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun reconnaît la présence effective du président de ce parti politique, Maurice Kamto, à la présidence de la République, il évoque tout de même comme objet la remise d'un courrier hautement stratégique pour la nation. Dans la batterie des réactions,
Robert Wafou, du shadow cabinet du SDF, évoque le coût médiatique du mouvement pour la renaissance du Cameroun en rappelant que cela est à rechercher. Je m'arrête là. Robert Wafou, du shadow cabinet du SDF, dit que c'est un coup médiatique du président Kamto. Effectivement, depuis qu'on a vu le président Kamto à Itudi, le Cameroun s'est arrêté, on ne parle que de ça. Oh, Kamto est passé à Itudi. Oh, Kamto était à Itudi. Évidemment, Kamto fait la météo politique au Cameroun. Tous ses faits et gestes sont scrutinisés et analysés au pain fin. Cet homme cristallise l'actualité politique au Cameroun. Et donc, le fait qu'il soit là à Itudi, justement, est en train de faire la une de tous les journaux. C'est Kamto qui dicte le schéma politique au Cameroun. C'est Kamto qui dicte l'actualité. Il a posé un acte, un seul acte. Les Cabral Libi, les machins, tous ces gens, ils font étudier tous les jours, non? Est-ce qu'on en parle? Non. Kamto était à la guérite. Il était à la guérite. Le Cameroun s'est arrêté de fonctionner. On ne parle que de Kamto à étudier. On ne parle que de Kamto à étudier. Mais oui, pour un coup de maître, il a réussi. C'est un coup médiatique. C'est un coup médiatique, il a réussi. On ne parle que de lui et de ce qu'il allait faire à Itudi. Donc, voilà une autre stratégie du président élu qui est marche. Stratégie politique. Parle à titre d'appréciation le militant du SDF. Force est de reconnaître que les autres acteurs voient cela d'un mauvais œil. Louis-Marie Kakde, l'économiste et militant du Social Democratic Front, demande aux militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun d'exiger au président Maurice Kamto l'explication claire de sa présence à Itudi. Voilà un opposant qui demande aux militants de Kamto de demander des explications. Si ce n'est pas la sorcellerie, qu'est-ce que c'est? Un opposant qui est tellement fâché que pour lui, les militants du MRC doivent se lever et dire à Kamto que tu dois nous dire pourquoi tu étais là-bas, tu dois nous dire. Hé, Adama, Adama, Adama. On peut être jaloux, méchant, envieux comme ça. Donc lui, il ne peut pas dire qu'il veut les explications. Il dit qu'il demande aux militants du MRC de demander les explications à Kamto. Ta demande est timbrée. Ta demande est timbrée. Ah, gne, gne, gne. Il ne nous trahira jamais. Il ne nous trahira jamais. Écoutons. Il voit d'ailleurs en cela un rapprochement à peine voilé. Quant à l'ex-transfuge du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Sam Séverin Ango, il a la dent dure contre Maurice Kamto. Pour le journaliste devenu homme politique, c'est un impératif au regard du contexte politique actuel d'apporter clarification à ce qui semble être le mano à mano entre le RDPC de Paul Biya et le mouvement pour la renaissance du Cameroun de Maurice Kamto. Voilà donc Sam Séverin Ango qui a une dent contre le président élu parce qu'il était parti du MRC avec la queue entre les jambes pour avoir demandé d'être entretenu et payé, soi-disant parce qu'il était du Sud et qu'il était dans le MRC. Après les gaffes qu'il a commises, il est parti de lui-même. Aujourd'hui, il en veut au président Kamto jusqu'à dire qu'il voit en ce geste un rapprochement entre le président Kamto et Paul Biya. Sam Séverin Ango, Adama, tu veux qu'on reverse tous tes méfaits ici, là? Et pour ta gouverne, tout ce que tu as fait qui a conduit à ce que tu quittes le MRC, la queue entre les jambes, le président Kamto ne s'est jamais prononcé. Le président Kamto ne s'est jamais prononcé. Pourquoi tu lui en veux? Pourquoi tu lui en veux? Quand ton affaire était sortie ici, tu nous as fait croire que c'était le gouvernement qui avait monté une femme pour t'humilier parce que tu es du Sud. Mais lorsque la vérité est sortie, que tu as escroqué une femme, non seulement tu l'as escroqué, mais tu l'as humilié. Toi-même, tu as fui la queue entre les jambes. Tu as entendu Kamto se prononcer sur cette affaire? Tu as entendu Kamto se prononcer? Pourquoi tu lui en veux? La honte va vous attraper. Vous, tout ce qui est allé vous réunir là pour dire que oui, Kamto doit donner les explications. La honte va vous attraper. On ne salit pas ce qui est propre. Continuons. Ça, c'est les opposants. Il y a aussi ceux qui disent garder la lucidité. Le journaliste Xavier Messé estime que Paul Biya et Maurice Kamto sont des simples adversaires politiques et non des ennemis.
Fin de citation. Tout compte fait, depuis la visite inopinée du président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun à la présidence de la République, beaucoup veulent savoir l'objet de la visite. Malgré l'explication donnée dans le communiqué du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, les observateurs de la scène politique disent rester sur leur faim. Voilà. Donc, ils disent rester sur leur faim. Ils veulent savoir l'objet de, entre guillemets, la visite. Et je vais vous dire pourquoi je n'utilise pas ce mot visite. Le mot visite renvoie à une rencontre. Le mot visite renvoie à quelque chose qui était arrangé. Quelque chose qui était attendu. Et c'est pour ça que je refuse d'utiliser le mot visite. Et ces journalistes l'utilisent justement avec un objectif bien visé. Parce qu'on veut vous faire ancrer dans la tête, dans votre subconscient, que Kamto était justement en visite à Etoudi. On veut vous faire croire que Kamto avait quelque chose d'arrangé avec Paul Biya et c'est pour ça qu'il est parti là-bas. Parce qu'on dit visite, visite à la présidence de la République. La présidence de la République, ce n'est pas le marché où on va et on vient comme on veut. Quand on dit visite, ça veut dire que tu as un rendez-vous. Ça veut dire que Biya a accepté de te recevoir. Ça veut dire que tu vas rencontrer quelqu'un. Ce qui n'est pas le cas. Le président élu, son Excellence Maurice Kamto, s'est arrêté à la guérite. Et les photos sont là pour le prouver. Les vidéos sont là pour le prouver. Il s'est arrêté à la guérite d'Etoudi où il a donné, il a remis un courrier. Comme tous les Camerounais le font. Il n'est ni le premier, ni le dernier Camerounais à remettre un courrier à la présidence de la République. On a vu des citoyens Camerounais qui voulaient interpeller le président de la République directement, qui sont allés remettre un courrier. Que ce courrier parvienne au destinataire ou non est un autre problème. Que ce courrier parvienne au destinataire ou non est un autre problème. Aujourd'hui, on sait que M. Biya n'est pas au Cameroun. On sait que le président élu n'est pas entré à Etoudi. On sait qu'il a remis un courrier. Maintenant, les gens veulent savoir quel était l'objet de sa visite, quel était l'objet de sa présence. Aujourd'hui, nous savons la teneur de ce courrier. Ils ont essayé de moquer en disant que ce n'était pas un courrier d'ordre public. Ce n'était pas concernant la politique intérieure. Ce n'était pas concernant... C'est sûr qu'il allait demander pour lui-même. Bien, lisons donc aujourd'hui les révélations qui ont été faites de la teneur du courrier remis par le président élu à la présidence de la République. Et vous allez comprendre que cet homme a le souci le plus profond du bien-être du Cameroun et de ses habitants. Cet homme ne vit que pour le Cameroun. Cet homme ne veut que le meilleur pour le Cameroun et pour ses citoyens. D'ailleurs, il a dit, il ne marchera jamais sur le sang d'aucun Camerounais pour arriver à Etoudi. Et il a aussi dit qu'il a toujours la main tendue vers M. Biya pour justement assurer une transition pacifique. Voilà donc quelqu'un qui, lorsque il gagne les élections et que la Cour constitutionnelle vole ces élections, il est approché par deux généraux de l'armée camerounaise qui viennent vers lui et qui lui disent « Président, tu es notre président. » Donne les ordres et nous allons exécuter. Le président Kamto a répondu, je ne marcherai sur le sang d'aucun Camerounais pour arriver à Etoudi. Et en plus de cela, le président Kamto a fait le rapport de cette rencontre et l'a remis à qui de droit? Pourquoi est-ce que ces gens n'ont jamais parlé de ce rapport? Pourquoi est-ce que ces gens, ça prouve que le président Kamto est dans un esprit de collaboration avec le gouvernement. Collaboration pour la conduite des bonnes affaires, la bonne conduite des affaires du Cameroun. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont jamais divulgué le contenu de ce message? Justement parce qu'ils savaient que c'était un piège qu'ils avaient tendu au président Kamto. Ils lui avaient tendu le piège pour voir s'il voulait faire une insurrection armée. Le président Kamto a reniflé le piège et il a dit non. Il ne prendra jamais les armes.
Aujourd'hui, qu'il communique encore avec la présidence de la République pour un sujet hautement sensible. Ils veulent instrumentaliser cela pour dire qu'il allait négocier pour lui-même. J'ai entendu le bouffon de Kennedy et Jacha, ce bouffon qui ne connaît rien de la politique, dit que pourquoi Kamto n'a pas posé ce problème sensible au peuple. Un problème d'ordre de sécurité nationale. Un problème d'ordre militaire. On ne le pose pas comme ça au peuple. On le pose à qui de droit, afin que ceux-là prennent les actions appropriées pour remédier à cette situation. Cher Kennedy et Jacha, la politique, ce n'est pas le héros que tu manges tous les jours en live. Quelqu'un qui aspire à diriger ce pays comme le président Maurice Kamto ne va pas se comporter comme le bouffon que tu es, qui s'assoit en live en train de manger le héros avec, de manger la sauce jaune avec la sauce jaune qui dégouline de partout. Non, le président Kamto agit comme quelqu'un qui va diriger ce pays. Il agit comme quelqu'un qui est responsable de la sécurité de ce pays. Mais oui, tu penses qu'il va se lancer dans une bataille de chiffonnier à venir se mettre et dire que wow, il y a tel et tel problème sécuritaire? Non, c'est un problème hautement sérieux. Et le président Kamto, dans un souci, justement, du bien-être du Cameroun et de ses citoyens, s'adresse à la personne en ce moment qui a tous les leviers entre ses mains pour remédier à cette situation. Espèce de bouffon. Espèce de bouffon. Tu vas enrouler Kamto dans la boue, toi? Tu vas enrouler Kamto dans la boue, tu es né, toi? Hein? Prends soin de toi, bon sang. Entretiens-toi. Tu viens parler à un homme qui esthétiquement comme ça là. Le président Kamto s'aligne avec tous les présidents du monde. Il a la prestance, la carrue, la présence, l'intelligence. Un bouffon comme toi, tu viens t'asseoir au Kamto. On t'a dit que c'est le marché Sandaga pour que Kamto vienne se mettre et dit que j'ai eu telle information. C'est pas le marché Sandaga, mon ami. C'est pas le marché central. Diriger le pays, pour diriger le pays, il faut avoir ce qu'on appelle la carrure. Et le président Kamto a la carrure. Tu as compris, non? Il devait venir montrer au peuple. Il devait venir dire au peuple quel problème sensible. Voilà que vous-même, vous avez sorti le contenu de son courrier. Bia étant entré dans une maison de retraite en Suisse, en train de soigner son Alzheimer, vous avez ouvert le courrier du président Kamto. Et vous avez sorti le contenu qui est déjà publié. Et je vais vous le lire. Voici le contenu de la lettre que le président élu a remise à la guérite de la présidence de la République du Cameroun. Je répète. Voici le contenu du courrier hautement sensible que le président élu a remis à la guérite de la présidence de la République du Cameroun. Au nom de l'intérêt national, 5 soldats du bataillon rapide d'intervention BIR, force spéciale camerounaise. Un instant, je commence dès le début. Alors, cette information a été publiée par Mathieu Olivier du journal Le Jeune Afrique. Il s'agit en effet d'une affaire de politique internationale. Depuis, les spéculations vont bon train, le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, lui-même ayant choisi de ne pas dévoiler le contenu du pli adressé au chef de l'État, son parti s'est simplement fendu le 23 décembre d'un communiqué évoquant un courrier portant sur un sujet sensible d'intérêt national, dont le président Kamto a refusé de révéler le contenu de son courrier. Le staff de la présidence de la République a évidemment ouvert ce courrier
et a donné l'information aux journalistes. Selon les informations de Jeune Afrique, le dossier de Maurice Kamto concerne une affaire de politique internationale. En l'occurrence, le différend qui oppose le Cameroun et le Nigeria autour de la presqu'île de Bakassi. Celle-ci est au cœur d'un conflit juridique que se livrent Abuja et Yaoundé devant la Cour internationale de justice depuis plus de 15 ans. Et on sait tous que Biya avait justement nommé le président Kamto pour ses compétences en termes de droit international afin de résoudre ce problème de Bakassi, chose que le président élu avait faite et la Cour internationale de justice avait donné gain de cause au Cameroun suite au plaidoyer et au dossier introduit par le président Kamto. Et après cette mission, évidemment, il a quitté le gouvernement. Lorsqu'il a accompli sa mission, il a quitté le gouvernement. Même la Cour internationale de justice a rendu dès 2002 un arrêt demandant au Nigeria de céder au Cameroun le territoire disputé. Plusieurs désaccords demeurent en effet entre les deux pays au sujet du tracé de la frontière. En outre, un mouvement séparatiste nigérian qui lutte pour l'indépendance du Biafra opère dans la région, affrontant régulièrement l'armée camerounaise. Est-ce que vous entendez ça? Donc, une partie du Nigeria n'accepte pas la décision de justice rendue par la Cour internationale de justice et un mouvement révolutionnaire nigérian basé au Biafra affronte l'armée camerounaise régulièrement dans cette région-là. 5 soldats du bataillon rapide d'intervention, le BIR, y ont ainsi été tués en juillet dernier dans des affrontements avec les rebelles biafrais. La région est toujours en proie à l'instabilité et il y a au Nigeria de plus en plus de voix qui s'élèvent pour remettre en question le jugement de la Cour internationale de justice de 2002. Est-ce que vous comprenez ça? Oh, que Kamto est parti négocier pour lui. Oh, que Kamto est parti négocier pour une affaire personnelle. La honte va vous tuer. La honte va vous tuer. La honte. Or, Maurice Kamto a été l'un des principaux acteurs du dossier de Bakassi du côté des autorités camerounaises. Avocat spécialisé en droit international public, l'opposant a ainsi fait partie de la délégation désignée par Paul Biya lors des négociations ayant abouti à la décision de la Cour internationale de justice en 2002, puis aux accords de rétrocession entre Yaoundé et Abuja en 2006. La honte va tuer tous ses opposants qui se sont précipités de dire que « Oh, Kamto est parti négocier pour lui. Oh, Kamto est parti prendre la sardine. Kamto n'a pas besoin de sardine. » Le gars est assis. Ça fait combien d'années que Kamto ne peut même pas exercer son métier parce qu'il est restreint au Cameroun. Le gars assis. Ses livres, rien que la vente de ses livres. Je dis que rien que la vente de ses livres devait vivre. Bande de mécréants. C'est à la suite de cette première victoire qu'il sera nommé ministre délégué en 2004. Kamto a observé que certains leaders nigériens souhaitaient profiter de la situation du Cameroun et notamment du conflit dans les régions anglophones pour revendiquer Bakassi de nouveau. Explique un de ses proches. Il aurait alors proposé son analyse du dossier à Paul Biya au nom de l'intérêt national. Voilà donc les Kennedy et Jacha qui ont couru pour dire que Kamto allait commander la sardine. Oh, Kamto a eu sa part de sardine. Où est la sardine là-dedans? Kamto se bat pour que le Cameroun ne perde pas Bakassi, qui est la région la plus pétrolifère du golfe de Guinée. Kamto se bat pour que nous ne perdions pas la région la plus pétrolifère entre le Nigeria et le Cameroun. Toi, le bouffon mangeur de conchap, tu t'assois, tu ouvres ta grosse bouche avec tes joues comme les joues du bulldog pour parler de Kamto. Il est à ton niveau. Il se bat pour qu'on ne perde pas ses richesses. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Tous les voisins du Cameroun savent que Paul Biya est incapable de gérer le Cameroun. Paul Biya n'a plus de tête. La Guinée équatoriale est venue construire une barrière à l'intérieur de Kéossi. Je répète,
La Guinée équatoriale est venue construire une barrière à l'intérieur de Kéossi. Paul Biya était incapable de réagir. Vous croyez que les voisins ne sont pas en train d'avoir des projections sur les parties de notre pays? Ils ont vu que Paul Biya est incapable de diriger. Alors, ils vont tenter de s'accaparer des parties du Cameroun. Et le président élu qui a été l'un des maillons, sinon le maillon fort de cette affaire de Bakassi, voit une incursion nigériane dans une intention de récupérer Bakassi. Et nous savons que si nous perdons Bakassi, nous perdons un très grand potentiel pétrolifère de notre pays. Alors c'est normal et c'est de droit que le président Kamto alerte celui qui est censé diriger le Cameroun et maîtriser ses dossiers. Ce n'est que très normal. Pour que des bouffons se lèvent, essaient de retourner cette affaire pour faire croire au peuple que c'est devenu une simple affaire de sardine ou comme toi aller manger la sardine. Vous savez combien coûte un seul ouvrage que les étudiants en thèse ici en Europe. Je dis bien les étudiants. Les étudiants qui soutiennent les thèses de doctorat en droit international en Europe, achète les ouvrages du président Kamto. Un seul ouvrage à plus de 200 euros. Je dis bien un seul ouvrage du président Kamto en thèse de droit international ici en Europe. Un seul ouvrage à plus de 200 euros. Le monsieur assis, ses livres travaillent, et pas seulement ses livres. Il offre son expertise. La Guinée équatoriale l'a payé pour justement aller la défendre. Il offre son expertise. Vous croyez vraiment que quand tu es dans le besoin, vous croyez comme Paul Biya qui croule, qui est incapable même de payer les fonctionnaires camerounais pour corrompre M. Kamto, au point où des bouffons comme celui-là va s'asseoir et dit que ah, Kamto est parti prendre sa sardine. Ça fait 4 ans que vous êtes incapable d'approcher ce monsieur. Et vous voulez faire croire aux gens qu'il a démarré sa voiture en plein midi. Il est allé à la guérite pour prendre une sardine. Vous avez tapé à côté. Vous avez tapé à côté. L'homme-là est trop fort. Il est trop fort. Il est trop puissant. Un seul passage a tout dit. On en parle depuis au moins une semaine. Sans arrêt, partout. Partout. Il paralyse l'actualité. Kamto power, super power. Kamto power, super power. Si vous n'avez pas encore peur de garçon, ayez peur de Maurice Kamto. Je répète, hein, si vous n'avez pas encore peur de garçon, ayez peur de Maurice Kamto. Dans le silence, dans l'assurance, dans la prestance, ce monsieur est en train de vous diriger au doigt et à l'œil. Il vous mène à la baguette, vous tous là. Il vous mène à la baguette. Sans faire trop de bruit, sans faire trop de remous, il vous mène à la baguette. C'est de ça qu'il est question. Donc les gars, aujourd'hui, nous mettons fin à tous ces petits bruits qui ont paru, tous ces petits tapas, wow, Kamto, qu'il a expliqué pourquoi, wow, qu'il a expliqué. Vous les petits opposants affamés là, les gens qu'on corrompt avec 1 million, 2 millions, vous osez parler de Kamto? Il n'est pas à des millions près. Le gars est à un autre niveau. Il est à un autre niveau. Écoutez ce qu'il a dit. Et ça, ce sera mon dernier élément de ce soir. Lorsqu'il avait été libéré de sa détention arbitraire à son domicile. J'espère que je vais retrouver cet élément. J'espère que c'est ça. Si c'est pas ça, c'est un véritable chapelet. C'est pas ça. Attends, mais sont... Un instant. Je vous fais écouter ce que le président a dit lorsqu'on le libère de sa résidence surveillée.
Il avait accordé une interview à Guy Zogo. Écoutez ce qu'il a dit d'Equidox. Hein. Écoutez très bien. Et on va fermer là-dessus. Nous allons un peu analyser et on va fermer là-dessus. Vous allez comprendre pourquoi on m'appelle Unku le Kamto. Vous avez compris, non? Le tam-tam de Kamto résonne haut et fort. Unku le Kamto, la seule et unique. Depuis 4 ans, je tape le tam-tam de mon champion. Allez. En ce qui me concerne, on termine en disant oui, mais le cas du leader du MRC, ils sont partis, sont encore sous observation, je ne sais plus quel terme approprié qu'ils ont utilisé, sont suivis de manière méticuleuse par la justice et l'administration. Et voilà, on informera au fur et à mesure l'opinion. Moi, je leur dis, ils n'ont pas besoin de se donner tant de mal. D'ailleurs, au lieu de dépenser les moyens de l'État, les meilleures ressources qui restent une fois qu'on a soustrait de part et d'autre par la corruption et toutes sortes d'atteintes à la fortune publique, pour mettre pendant plus de 2 mois ici des gendarmes et des policiers, qui m'amène directement en prison. Qu'est-ce qui leur fait croire qu'ils vont continuer comme ça à piétiner les Camerounais de cette façon-là? Qui leur a donné le pouvoir de vie et de mort sur les gens? Qui? Et même s'ils arrachaient ma vie, je ne serais pas le premier ni le dernier à mourir. Qu'est-ce que ça veut dire? Personne ne veut mourir, mais il faut qu'on cesse de croire qu'on peut faire peur aux gens de cette manière-là. C'est totalement ridicule. J'en suis arrivé à un point où je me demande s'ils ont même en fait une vision pour le pays. Est-ce qu'ils ont une idée de là où vient conduire le Cameroun? Parce qu'il y a des choses beaucoup plus urgentes, des problèmes sérieux. Nous n'avons jamais refusé d'apporter notre contribution à la recherche des solutions aux problèmes de ce pays. Mais au lieu de cela, on nous piétine. On essaye de manipuler les catégories telles que le tribalisme. On essaye d'attiser la haine, d'inventer les choses tous les jours. Et ça ne va rien changer à l'affaire. Même si je disparais, les problèmes du Cameroun restent. Alors, pour faire une dernière chose, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous avez entendu ce que le président élu a dit? Le président élu dit que nous avons toujours cherché à apporter des solutions aux problèmes du Cameroun. Il le dit suivant sa séquestration pendant 2 mois à son domicile. Voilà la première interview que le président élu avait accordée à un média camerounais à sa sortie. On sait très bien que pendant qu'il était séquestré, il avait encore accordé une interview à France 24. Mais lorsqu'il sort, la première chose qu'il dit, c'est que nous avons toujours cherché à apporter des solutions aux problèmes du Cameroun. Alors, pourquoi se fait-il qu'aujourd'hui, un problème de sécurité nationale s'oppose et le président Kamto apporte sa contribution, les gens crient au scandale? Ce n'est pas aujourd'hui qu'il le fait. Le président Kamto le dit, il a toujours cherché à apporter des solutions aux problèmes du Cameroun. Voilà donc quelqu'un qu'on a séquestré, qu'on a enfermé, l'accusant d'insurrectionnel. Mais ce monsieur n'a qu'un seul souci, le bien-être du Cameroun et des Camerounais. De deux, ce que je retiens de cette interview, c'est qu'il dit que ces gens croient qu'ils ont le droit de vie et de mort sur les Camerounais. Qui leur a donné ce droit de vie et de mort? Et même si aujourd'hui ils décident de me tuer, je ne serai ni le premier ni le dernier à mourir. Est-ce que me tuer changerait les problèmes du Cameroun? Voilà ce que le président Kamto dit lorsqu'il sort de 2 mois de détention dans son domicile. Et il répète que ces gens auraient mieux fait encore de le jeter en prison au lieu de dépenser l'argent du contribuable à relayer les gendarmes et les policiers devant sa maison 24 heures sur 24 pendant 2 mois. Pendant 2 mois, ils ont relayé la sécurité devant sa maison, de jour comme de nuit, sans arrêt. Cet argent-là aurait servi à résoudre les problèmes du Cameroun. Voilà ce qu'un homme responsable, un homme pragmatique, un homme charismatique, un homme sûr de lui, dit. Voilà un homme qui a intégré qu'on peut même le tuer. Et vous pensez que c'est aujourd'hui qu'il irait lécher quelques gouttes de sardines? Vous avez votre petit plan.
Votre petite campagne est aussi petite que vous-même parce que vous n'êtes que de petites gens. Vous n'êtes que de petites gens. Kamto a une vision. Il a une vision plus grande du Cameroun. Il a une ambition plus grande que le Cameroun, pour le Cameroun. D'ailleurs, il le dit dans son interview. Il se demande si ces gens ont une vision, une ambition pour le Cameroun. Parce que s'ils peuvent dépenser un agent qui aurait pu servir à payer les fonctionnaires, s'ils peuvent le dépenser pour le surveiller pendant 2 mois, au lieu de le jeter une fois encore en prison. Voilà un homme droit dans ses bottes. Un homme de conviction. Un homme qui nous a promis qu'il ne nous trahira jamais. Et si aujourd'hui, nous nous jetons dans cette bataille, autant que nous sommes, avec toutes les armes à notre possession, que nous mettons nos tripes dans ce combat, c'est justement parce que nous avons un leader qui ne nous trahira jamais. Nous avons un homme qui continue de nous convaincre jour après jour, mois après mois, année après année, depuis 4 ans, qui continue de nous convaincre qu'il reste droit dans sa ligne de combat. Et pour ça, nous disons, Kamto aujourd'hui, demain et après-demain. Kamto, c'est la solution. Et nous y arrivons. Tel que nous voyons les choses évoluer, nous sommes en train d'y arriver. Zéro tremblement. Manoche qui fout. Manoche qui fout. Ceux qui sont entrés dans ce combat pour des raisons personnelles, pour des ambitions personnelles, le temps a eu raison d'eux. Mais nous sommes confiants que cet homme nous mènera à bon port. Et il a notre soutien jusqu'à la fin. 2025 ou avant, nous sommes prêts. 2025 ou avant, nous sommes prêts. Et tous les signes sont là pour nous montrer que ça se passera. Tout est là. Tout est là pour nous montrer. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Nous sifflons la fin de la récréation et nous revenons balle au centre sur le problème principal. Vacances du pouvoir. Biya est incapable de diriger le Cameroun. Ne vous méprenez pas. Il va passer un message de fin d'année le 31 décembre. Vous allez avoir droit à un message de fin d'année de la part de Biya. Et ils vont vous dire que, oh, voilà son discours, il a lu, vous avez dit qu'il est incapable, le voilà qui a lu le discours. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il y a une chose que les personnes atteintes d'Alzheimer savent faire, c'est faire le métier qu'ils ont appris étant jeunes. Parce qu'ils ont la mémoire du passé. S'il y a une chose que Biya sait encore faire, c'est lire. Il sait encore lire un discours parce que c'est son métier. Donc, Biya va nous lire un discours pré-enregistré. Soyez-en sûrs. Monsieur Biya va nous lire le 31 décembre un discours pré-enregistré. Parce qu'il n'est pas au Cameroun. Parce qu'il ne peut pas rentrer au Cameroun à temps et être en condition physique pour faire un discours de 30 minutes et plus. Donc, on aura droit à un discours pré-enregistré de la part de Monsieur Biya. On aura droit à un discours pré-enregistré de la part de M. Biya. Mais ça ne change pas le problème de base. Le monde entier a vu que l'homme qui est censé diriger le Cameroun n'a plus sa tête. Si M. Biya n'a plus sa tête, qui dirige le Cameroun? That's the question. Voilà la question qui devrait préoccuper tous les Camerounais. Qui dirige le Cameroun? Nous remettons la balle au centre et nous devons poser cette question à tout le monde. Qui dirige le Cameroun? Merci d'avoir suivi ce Facebook Live. Le combat continue. Tous en rang, je dis bien en rang, serré. S'il y a une chose que nous pouvons faire comme les sardines, c'est d'être serré derrière notre leader. En rang serré
derrière le leader de la résistance pacifique, son excellence le président élu Maurice Kamto. Il va nous mener à bon port. C'est de ça qu'il s'agit. Et le 31 décembre, en journée, parce que je ne veux pas parler au même moment que le président élu. Le président élu s'adressera sûrement aux Camerounais le 31 décembre en soirée. Le 31 décembre en journée, nous allons adresser le message de la résistance en diaspora aux Camerounais. Merci d'avoir suivi ce Facebook Live. Le combat continue. La patrie ou la mort! Seule la victoire est possible. Merci.